Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le haul Chine. Sachant que j'ai déjà remballé deux trucs, il y en a un que je l'avais acheté en groupe sans faire exprès et il y en a une d'Europe, je pouvais absolument pas rentrer dedans la poitrine. Donc je vous mettrai, je pense, le lien du truc que j'ai pas pu vous montrer. Donc, sinon tout le reste c'est nickel. Alors j'ai cette robe là, ça descend jusqu'au pied, c'est juste. Un grand truc comme ça avec les poches, c'est vraiment trop sympa, franchement l'été quand il fait chaud et tout, c'est nickel. Ensuite j'ai cette robe là, mais je crois que c'est un t-shirt, mais clairement non, c'est une robe. Voilà, trop jolie. Alors je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos, j'ai tout essayé et tout va très bien. Voilà, à part la robe bleue et blanche là que je suis obligée de renvoyer, qui vraiment je peux pas rentrer la poitrine quoi. Si t'as de la poitrine, c'est mort. Hein. Donc ensuite, il y a celle-ci. Le soleil. Qui est vraiment trop trop jolie. Je vais peut-être mettre celle-ci pour le baptême de notre neveu cet été. Franchement, elle est vraiment trop trop belle. J'ai craqué dessus. Je crois que c'est une des plus chères. Peut-être la bleue et blanche aussi, je sais plus. Ensuite, on a celle-ci aussi qui est un petit peu dos nu, machin, comme ça. Hop. Longue également, je me suis découvert que j'adorais les robes longues et du coup je suis vraiment fan. Donc l'été même en demi-saison je mets ça quoi, donc je suis trop trop contente. Elle est vraiment super jolie celle-ci. Ensuite alors j'ai pris celle-ci parce qu'elle était vraiment pas chère du tout. Pareil, une robe un peu pour traîner à la maison parce qu'au niveau des formes c'est pas fifou quoi. Mais pour être à la maison quand il fait chaud ou quoi, elle est très très bien. Hop, voilà, donc elles arrivent à peu près tout aux genoux, sauf celles qui sont longues évidemment. Ensuite, alors celle-là, je la trouve vraiment trop trop belle. J'ai hésité parce que j'aime les robes noires, vous le savez, je pense, parce que j'en achète souvent. Et j'ai hésité entre plusieurs. Et celle-ci, je trouvais qu'au niveau du cache-cœur, ça faisait vraiment trop trop joli. Et effectivement, elle est trop belle. Par contre, elle est assez assez épaisse, hein, donc il faut pas la mettre quand il fait 30 degrés, hein, c'est pas possible. Mais franchement, elle est trop trop belle et elle me va vraiment à ravir. Alors, on a également celle-ci qui est vraiment très jolie. Par contre, je trouve que le bandeau est pas assez large, du coup, ça prend pas toute la poitrine. Mais bon, alors peut-être qu'il faut que je baisse un petit peu les hanches là pour que ça descende un petit chouille. Mais franchement après elle est très très bien et je l'ai pris parce que pareil elle coûtait 10 euros quoi, vraiment pas cher. Alors c'est celle-ci que j'ai pris en double sans le faire exprès, donc je l'ai renvoyée parce que je vous avais demandé sur Insta qu'est-ce qu'il fallait que je fasse si je les remettais en vente direct sur Vinted ou quoi. Et puis du coup il y en a qui m'ont dit non mais tu peux renvoyer et tout, donc j'étais trop cool, je peux renvoyer. Donc j'ai fait mon petit bordereau avec les deux articles que j'ai à renvoyer. Donc on a ça. Vraiment très très jolie, pareil un tissu assez épais, une robe assez habillée, donc pas quand il fait trop trop chaud quoi, quand il fait 25 ça passe, mais quand il fait 30 non. Voilà, mais vraiment très bonne qualité, très bon tissu, nickel, voilà. Ensuite je me suis pris un haut de maillot parce que j'ai un short noir, donc il fallait un haut parce que j'ai que le bas. Et j'ai vu qu'il y avait celui-là, donc nickel, franchement je l'ai essayé, il va très très bien, aucun souci. Donc voilà, et puis la dernière et celle vraiment sur laquelle j'ai eu un coup de cœur, c'est celle qui coûte le plus cher. Y a un petit bémol quand même, elle est magnifique, mais alors je vais vous montrer ça. Donc elle se présente comme ça, hein, voilà. Donc on a des petites bretelles et tout là comme ça. Bon je me débaisse parce que le truc il surchauffe, il en peut plus là. Pourtant j'ai pas parlé si longtemps que ça. Alors cette robe vraiment elle est mais magnifique. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer comme il faut. Donc elle coûte 17 euros. Voilà, elle est comme ça, vraiment très belle. Le bas c'est vraiment un volant et puis à l'arrière t'as ça quoi. Elle est magnifique cependant, je sais pas, je trouve qu'il y a un souci au niveau de la poitrine. Donc je trouve que ça fait des seins bizarres. Voilà, ça écrase à moitié le sein bizarrement, enfin c'est vraiment bizarre. Mais autrement elle est vraiment trop trop belle, je suis ravie de ma commande. Le seul hic c'est que j'avais craqué sur une robe qui était un petit peu dans ce style là, mélangée à celle que je n'ai pas, que j'ai dû
renvoyé là, la bleue et blanche, avec donc des traits roses et blancs, avec un magnifique décolleté et tout, avec des volants, une robe que j'adorerais, qui coûtait pareil aux alentours de 17 euros, il me semble. Trop trop belle. Mais au moment où j'ai voulu passer commande, malheureusement, il n'y était plus. Voilà, donc je suis vraiment dégoûtée. Je ne sais pas si je peux. Je vais essayer de vous faire une capture d'écran si jamais. Et puis si vous savez où la trouver, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, dans l'ensemble, globalement, voilà, il y a 95% de ma commande qui est au top. Il y a juste cette fameuse robe, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est la même taille que les autres, mais ça ne va pas. Le tissu, je pense qu'il n'est pas assez extensible, je ne sais pas. Et du coup, la poitrine ne rentrait pas du tout. Et puis, le deuxième truc, c'est que j'ai pris deux robes identiques, ça ne me sert à rien. Donc ça, c'est normal que je renvoie, mais pour le reste, c'est dommage. Voilà, sinon, trop contente, celle-là, je suis trop bien dedans. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.